Pourquoi tu récoltes pas de blé? Donne-moi ton blé. Donne-moi ton blé. Donc bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur WG. Et j'ai avancé un petit peu la route là comme ça. Ouais. Et j'ai commencé aussi à faire des plans de sol. Voilà, pour ma prochaine maison. Enfin, ça sera ma maison, là où je vais habiter. Voilà. Sur la même base que la salle des coffres. Parce que c'est une reproduction aussi d'une maison qu'on trouve dans les forts. Celle-là, c'est le fort de quoi? Fort Viking, qui se trouve en Norvège, je crois. Et c'est Trelleborg, il me semble. Bref, du coup, théoriquement, c'est vrai que cette maison, de quoi, du plan du sol, ça devrait être la même taille que celle-ci, sauf que malheureusement, comme c'est une adaptation, j'ai dû la faire... Enfin, l'espace interne est la même, la superficie intérieure est la même, c'est juste que, étant donné qu'il y a un petit décalage, ça fait un peu plus grand en fait, d'extérieur. Et aussi, elle sera plus haute, c'est à peu près de 4 blocs, de 3 ou 4 blocs de haut, de plus que la salle des coffres. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça fera une maison. J'ai ramassé des coffres et juste à côté, j'aurai ma demeure. Même si après, plus tard, j'aurai sûrement une immense maison viking au sommet de la montagne, mais bon. Et puis voilà, donc je l'ai positionné à 90 degrés par rapport à cette découpe, simplement parce que dans les forts vikings, c'était comme ça que les maisons étaient faites. Elles étaient, en gros, est-ce que j'ai des blocs pour simuler je vais prendre des blocs de pierre. Par exemple, il y avait le fort, donc en fait, il y avait les murailles qui étaient circulaires. Au milieu, il y avait les maisons. Par exemple, qui était comme ça, hop, l'autre maison qui était comme ça, l'autre maison qui était, on va dire, comme ça. Enfin, souvent même en fait, les bords étaient collés souvent. Comme ça, et notre maison comme ça. Et même au milieu, souvent, il y avait un petit bâtiment, une petite structure, je sais quoi exactement, soit un petit puits ou soit un truc religieux. Voilà, et souvent, en fait, ça se répétait comme ça, comme schéma. Voilà. On avait encore d'autres maisons ici, et en fait, tout autour, il y avait la muraille circulaire. Voilà comment étaient en fait construits les forts. Comment c'était aménagé à l'intérieur. C'était pas des maisons à l'arrache, c'était vraiment une position bien particulière et bien pensée. Donc voilà, j'ai repris un petit peu ce modèle là, du coup ça fait un angle droit comme ça. Mais voilà. Et puis sinon, quoi d'autre? Oui, j'ai juste que j'ai avancé un peu le chemin. Et comme vous avez pu voir en fait à l'intro. Ben, j'ai essayé de modifier un petit peu le champ en remettant le système de rail sous le champ. Mais mon PNJ ne veut pas ramasser le blé, ça me saoule. C'est mon troisième PNJ que je teste en le mettant ici. Je précise que les deux autres sont morts. Je les ai butés. Celui-là c'est le pêcheur, ça tombe bien. Dans ce cas-là, le pêcheur, je vais le transférer vu qu'il ne veut pas rigoter. Je vais le transférer d'un coup dans la maison ici à l'intérieur. Donc je vais aménager par caméra, là, vite fait. Et puis ensuite, on va essayer de trouver un moyen d'avoir du blé, parce que pour ma maison, il faudra du coup une toiture. Et pour la toiture, il faudra énormément de blé. J'ai pas envie de tout ramasser à la main, du coup, je vais essayer de trouver une solution. Soit je fais une ancienne machine comme j'avais fait ici, mais c'est pas... Elle marche très bien cette machine, mais le problème c'est que pour le blé, c'est pas rentable, parce que ça produit beaucoup plus de graines que de blé, du coup, en fait, c'est pas rentable, quoi. C'est mieux quand ce sont des carottes ou des pommes de terre, à la limite, pour nourrir les villageois. Donc celui-là, je vais le transférer en bas. Je sais pas comment je vais faire. De toute façon, l'entrée ici, si je fais un trou, enfin si je creuse ici, hein, il y a le tunnel que j'ai utilisé pour faire monter le villageois. D'ailleurs, j'ai perdu la terre. Je rebougerai, hein, c'est pas grave. Je vais y aller. Et du coup, le pêcheur, je vais le mettre en bas et je pense que, alors soit j'attends. Hop. Soit j'attends qu'il y a des nouvelles reproductions. Je peux savoir ensuite un. Ah, si je me trompe de bouton. Si je me trompe de bouton aussi. D'avoir du coup. Ah, j'arrive pas. C'est bon, j'arrive. Un villageois qui peuvent récolter. Voilà, je trouve une phrase et je reprends après. Oui, c'est normal. Hein. Bonjour, c'est moi ce bout. Ou sinon, bah, j'irai convertir un zombie villageois. Alors, j'avais vu en fait, en explorant un petit peu vite fait. Que sous la mer à peu près vers là il y avait
un, comment ça s'appelle, un spawner à ville à zombies. Donc je pense au pire, je vais sûrement utiliser du coup ce spawner pour pouvoir avoir des villageois, reproduction puis le villageois, ça sera plus rapide en fait. Ça sera plus rapide. Et comme ça, au moins les villageois qui vont être créés auront un inventaire totalement vide. Je pourrais du coup mettre un villageois marron ici pour qu'il puisse récolter, ça sera beaucoup plus efficace. Et ensuite, il y a un problème, enfin, c'est bizarre que ça le fait, mais si vous entendez, écoutez bien, il n'y a aucun bruit. Le minecart qui est en dessous, à chaque fois, il se bloque dans un coin, je sais pas où, et ça me saoule, ça le fait tout le temps. À chaque fois, quand je me reco, du coup, faut que je refasse ce circuit en dessous, on est mort. Ou alors je vais faire une usine à un truc automatique en AFK pour le blé, puis à l'extérieur ça sera pour le côté RP. Au pire, je sais pas. Bon, du coup opération blé, hein, parce qu'il me faut du blé, du blé, du blé. Oui, donnez-moi du blé, du blé. Du coup, toi je te transfère et on se retrouve un peu plus tard. Ah oui, j'ai oublié de montrer. J'ai fait des échanges avec du coup les bibliothécaires, voir s'il y avait des mendings. Et en fait, non, il y a des trucs assez sympas, mais alors le plus sympa c'était. Alors là, celui-là, le P4, c'est intéressant. Celui-là, je crois qu'il fait du toucher de soi. Ah non, c'est tranchant, mais je trouve qu'il y avait un qui faisait du toucher de soi. Il est ouf. Toucher de soi, c'est intéressant, sa fortune 1 à la limite. Mais par contre, je n'ai plus d'émeraude parce que tout l'émeraude que j'avais, j'ai tout utilisé pour débloquer les trades. Toucher de soi aussi. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ça, on s'en fout. Ah, oh, ça aura du feu à la limite, ouais. De toute façon, je pense que je vais tous les garder parce que. Alors, pour avoir des émeraudes, échanger contre du papier, si celui-là est le plus intéressant, c'est. En fait, c'est 27 papiers contre une émeraude. C'est le plus intéressant que j'ai. Cela fait quoi? Semelle glissante, à la limite, c'est bien intéressant. Pour ceux qui veulent des semelles glissantes. Fortune, et celui-là. Ah, celui-là, il fait une fortune 2 directement. Ouais, d'accord, mais celui-là, je vais le garder aussi. Mais je les garde tous, hein, de toute façon. Je vais avoir des trucs assez intéressants. Donc, je ferai un bâtiment plus tard où je les mettrai dedans. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Hein. Du point de vue RP, il n'y a pas de bibliothèque à l'époque. Mais au pire, je ferai, je pense, des petites maisons de villageois que. Et que je mettrai dedans ou. Au pire, pourquoi pas dans le temple? Parce qu'il y aura un petit temple plus tard. Vous savez, les temples vikings, je vais en reproduire un. En tout cas, je vais fortement en inspirer. Je sais pas, peut-être vers le. Je sais pas trop encore. Bon, il faut que je fasse le plan de ville. Bon, allez, à plus tard. Tu vas y aller? Tu vas y aller? Allez, 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 non, non, allez, allez. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. 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 Voilà. Maintenant, tombe dans l'eau, tombe dans l'eau, tombe dans l'eau, tombe dans l'eau. Ah, enfin! Ouh, qu'est-ce que c'était chiant. Hop. Allez, ouh, j'ai fait le tunnel, j'ai fait tout le passage, aménagé les petites maisons de l'autre côté. Maintenant, avance, avance. Avance. Oh là là, je. Depuis tout à l'heure, je galère en fait à l'emmener. Dans le couloir, le faire descendre, il s'était enfui, j'ai dû le rattraper. Ah, l'horreur. Bon, allez, c'est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé, allez, vas-y. Encore un petit effort. Alors, est-ce qu'il me reste normalement pour pousser derrière? Ouais. Allez, c'est bien. Je vais prendre même ça directement. De toute façon, on le verra pas, ça sera du côté, côté interne. Allez, vas-y! 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 Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà! Vas-y, va là-dedans! Voilà! Oui, enfin! Enfin! Oh, enfin! Je rebouche. Quoique. Je rebouche là. Voilà! Voilà. Ah, enfin, enfin, enfin. Ah, ah, j'ai galéré pour le mettre là-dedans. Ah, qu'est-ce que c'était chiant. Là, je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Ah là là. Donc, bah, je vais faire le petit tour du proprio. Alors déjà, hop, je casse ça. Donc bah voilà, décor assez simple, hein. Alors ici, en fait,
Il me faut. Ah, je me trompe de bouton. Hop, sur le mur, je simule ici en fait un filet de pêche avec un petit poisson. Peut-être que je mettrai d'autres tableaux avec d'autres poissons. Petit coffre avec pareil d'autres filets de pêche et des cannes à pêche que je vais pouvoir utiliser. Des petits poissons. Et là, le monsieur qui vend le poisson. Et voilà, sauf que je ne veux pas de trade avec toi parce que tu coûtes cher. Voilà, donc tout ça pour ça. Ça a mis du temps. Donc voilà, bah sinon voilà, c'est fini. Un petit truc simple, hein. Je rajouterai, je pense. Bon, ici il y a un petit étage, mais en fait, l'étage est complètement vide, là, rien. C'est pour, voilà, pour combler. J'ajouterai d'autres décorations, je pense, d'autres tableaux. Je n'ai plus de cuir, avec d'autres poissons, peut-être, pourquoi pas, quelques petits meubles, quelques trucs, le sol un peu abîmé, je sais pas trop. Enfin voilà, voilà. Maintenant, je vais m'occuper. Je pense, en fait, j'ai réfléchi, je vais faire une machine, comme j'avais dit, AFK. Ça, je laisse comme ça parce que ça sera utile pour avoir déjà, hop, pouvoir boucher ça. Hop. Et hop. On va juste à trouver un villageois, enfin un zombie villageois à convertir, en espérant que ce soit un farmer. C'est un peu chiant à trouver en plus ces zombies villageois. Enfin bref. Ah oui, j'ai oublié de montrer ça, la tête du dragon, je l'ai mis là, voilà. Alors, il me faut du bois, tu le bois que j'ai récolté. Il y a même plein de conneries qui me servent à rien, tout ça, là. Ouais, il me faut du bois, du bois, j'avance ma petite cabane. Faudra que j'aille farm énormément de blé là pour finir la toiture. Voilà, du bois, et du bois, voilà, et du bois, et du bois, bois. Je pense que je vais mettre une porte double. Hein. Voilà, du bois, et des bubuches, et des bubuches, et les bubuches, et les bubuches, et les bubuches, et je suis tombé. Et les bubuches. Oh oui, les bubuches. Est-ce qu'il me reste des bubuches? Il me reste beaucoup de bubuches. Ah ben on va faire ça comme ça, les bubuches. Hop. 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 Ici, je vais faire comment? Hop. Hop. Et là. Comme ça. Ouais, ça fait peut-être un peu grange, mais bah, il y avait des constructions vikings qui étaient comme ça en même temps. Il y avait des bâtiments vikings avec un toit un peu arrondi comme ça. Je me demande si finalement. Ouais, je sais pas exactement le place qu'il me faudra. En gros. Je pense que ma carte sera ici, là. Il y aura les trucs ici. Au pire, c'est pas grave, c'est un peu arrondi comme ça. Je mettrai des décorations sur les côtés. Hein. Ouais, c'est pas grave. Alors, je vais faire ça. C'est vrai que j'oublie à chaque fois. Et puis voilà, hein, c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Hop. Et hop. Et ça, c'est hop. Et ça, c'est. Je vais mettre peut-être une fenêtre ici. Je vais faire une fenêtre. Ça fait un peu. Ouais, non, puis non, ça fait un petit peu trop grand. Hop, et puis. Hop, et puis. Hop, et puis. Hop, hop, et puis. Hop, hop, hop. Et puis. Hop. Je finis ça, et ensuite, on se retrouve plus tard. Et après des heures de torture, à essayer de comprendre comment marche cette machine, voilà, enfin. La machine est finie. Oh, j'ai oublié un truc, attendez, j'ai oublié un truc. Je vais vous montrer. Faire ça vite fait. Donc là, c'est ce qui me reste comme comme outil. Voilà. J'ai pas encore mis les poudres os. Alors voilà la machine. Tadam! Non, en fait, elle est en dessous parce que j'avais pas assez de place. Mais en même temps, ça va être utilisé comme d'un côté ici, pourquoi pas comme un entrepôt, mais en même temps, en fait, c'est un accès pour descendre dans les souterrains. Alors ici, c'est pour aller dans la partie de restaurant en dessous, hein, évidemment.
La machine elle est là, donc c'est un truc simple. En fait, je suis allé chez Lilith, qu'en fait j'ai reproduit exactement la machine de Lilith. Je sais absolument pas en fait. Je sais pas du tout si c'est un modèle qu'elle a fait elle-même ou c'est quelque chose qu'elle a pris sur internet ou qu'elle a modifié. Je sais pas. Je sais pas du tout. Du coup, petit à petit, je vais rajouter quelques petites décorations. Évidemment, là j'ai fait un peu comme ça brut en cobble, puisque bon, là j'ai pas trop d'idées de déco et bon là. En même temps, ça sera du coup un accès. En profiter qu'il y a un escalier qui descend, un accès pour aller dans ce souterrain-là. Et je pourrais donc reboucher ce qu'il y a ici. Comme ceci. Voilà, comme ça. Je peux même mettre une petite torche. Voilà, en cas où. Et comme ceci, voilà, je suis tranquille. Donc les PNJ se sont pas reproduits depuis, hein. Je sais pas, ça m'énerve. Voilà, on va prendre mes torches. Il faudra que je mette des torches. Donc en fait, là, c'est par là que les villageois remontent. En fait, c'est le même endroit que pour tous les reproducteurs, sauf qu'en fait que le passage continue en dessous. Faudra que évidemment que j'aménage entièrement le couloir ici parce que là les PNJ tant qu'ils remontent en fait ils se noient hein, mais bon. Donc voilà, hop, de la lumière, il faut de la lumière. Alors je mets d'abord la lumière comme ceci, en même temps je vais aller très court montrer un petit peu le spawner de l'autre côté. En plus j'ai traversé des mineshafts donc c'est cool. Je crois que c'est par ici ou je sais plus où, là des endroits. Non, je crois que c'est un peu plus loin. Il y a des mineshafts. C'est ici. Là, bon, là on va à un mineshaft. Et ce côté-ci, il y a un spawner à araignée que je vais utiliser, je pense aussi. Ça sera très intéressant, ce truc pour étoile d'araignée, pour pouvoir faire des échanges. Oh mon bouclier, je l'ai oublié! Et mon épée, une fois que j'aurai mining, je vais la. Avec quoi? J'ai oublié mon bouclier, c'est pas grave, je vais en profiter. Hop! Ça fait super bizarre hein, de tenir ça comme ça. Ici il y a un peu de lumière parce qu'il y a une source de lave, ça fait un peu de source de lumière. De toute façon, il faut que je rebouche parce que je vais mettre de l'eau donc ça va pas super bien. Bon, ça ménage à l'arrache ici, hein. C'est comme ça. Hein. Les araignées spawn, enfin les araignées, les zombies spawn comme ça. Je vais pas décorer honnêtement, c'est une salle, je m'en fous totalement, je le sais comme ça. Hein. À la limite peut-être ici mettre ça comme ça avec l'eau. Faut juste que je prenne si je vais peut-être faire espèce de compartiment comme ça là. Pire. Au cas où si j'ai besoin de stocker des bateaux. Parce que oui, en fait une fois que les PNJ seront transformés, je casse du coup les deux blocs. Puis voilà, après je mettrai un bateau et je vais avancer comme ça jusqu'ici. Donc peut-être mettre des barrières en fait, ce sera peut-être plus simple. Donc d'abord reboucher là-bas. Alors je vais faire le petit couloir, hein. Je vais pas montrer ça forcément. Ouais, je vais montrer ça hors caméra. Hein. Alors je finis mon petit couloir là et puis ensuite on va voir si je commence à avoir des petits villageois. Je vais directement, je vais prendre reprendre quand j'aurai un zombie converti. Le zombie n'a pas spawné, il ne spawnera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, oh, ça fait 1 heure que je suis là. Bon bah je crois que l'épisode commence à être un petit peu long, du coup je pense que je vais m'arrêter à là. J'ai quand même pas mal avancé, même si j'ai pas atteint mon objectif. Je voulais avoir du blé, mais bon j'ai quand même pas mal avancé, hein. J'ai quand même aménagé, enfin au moins en partie commencé l'aménagement de spawner à zombies. J'ai fait ma machine ici pour avoir du blé, je la testerai. Ouais, faut que je remplisse de poudre et tout, je testerai ça une autre fois, je pense. On verra ça la prochaine fois, le prochain épisode, je pense. La décoration ici, je ferai ça hors caméra, pareil. J'ai fait cette petite cabane et c'est sympa.
J'ai refait du coup ce champ, enfin la partie en fait avec le rail en dessous et le matka qui en fait reste bloqué dans un coin et du coup ça marche pas, mais ça m'énerve. Enfin bref, je l'ai reconstruit parce qu'il y avait une source d'eau qui avait tout cassé, du coup c'est pas grave. Mais bon, cette machine par contre est très efficace quand c'est avec des carottes ou des pommes de terre. Le blé c'est pas efficace pour faire du blé parce que ça crée beaucoup plus de graines que de blé, du coup c'est pas rentable. Moi je veux de la rentabilité. Bref, je veux que ce soit rentable, du blé. Du coup je crois qu'on va s'arrêter ici parce qu'il faut du blé. Du blé, du blé. Donne-moi ton blé. Ah, tout se plaît, je suis riche. Oups, c'est quoi si je me trompe? On va pas faire. Oui, je suis riche, j'ai du blé. Oui, du blé. À la prochaine.